Cameroon often referred to as Africa in miniature because of its geological and cultural diversity. So to harbor 247 indigenous languages, serving over 2 million people within its global layout. Thus, why is two official languages of colonial heritage, known to be French and English, dominates public life? The mother tongue is often relegated in the background for these reasons. I cannot speak much because the home I grew up in, my mom was doing her best when she speak with you in the dialect. Even if you answer using Pidgin or lingua franca, she doesn't shout. The little that I know how to speak is because my grandmom was there. To say good morning, you say Alele. Yeah, and the other person will reply Alemu. Yeah, and the other person will reply Alemu. Because I can always try, but I cannot speak fluent. I was not born in the village. In Kambe, it's a great era where to speak my dialect because we're not taught in the house how to speak our dialect. This persistent disregard of indigenous languages does not only alienate the Cameroonian child culturally, but upbringing as well. I only know how to speak the only one, and it's Bakwe dialect, Omanja, because my mother didn't teach me. Sometimes, most parents are responsible for not training children to speak in their vernacular, as they often think the future of their children lies in the mastery of official languages. It is a parent who gives birth to the child. So if you teach, because some people say modernism, they always speak English. If you speak to the children while they are small, let me say from 1 till, they will get it. But how true is this assertion? It's very difficult for me to use the dial, my mother tongue, to my children because of this modern world. We are not in urban setting, so I always speak English to them. But from time to time, I try to send them home so they can stay with my mother. Hence, as denizens of Boya joins the rest of the world today, February 21st, to celebrate International Mother Language Day, parents and other learning institutions are hereby schooled to reinforce the existence of mother tongue against a high usage of lingua franca. Nombreux sont ces parents qui croient dû comme faire qu'apprendre leur langue maternelle à leurs enfants, c'est la leur parler régulièrement, surtout quand ils sont tout jeunes et non encore scolarisés. Déjà dès la naissance, j'ai dit à mon épouse que non, ici à la maison, c'est le patois qu'on cause à l'enfant. À l'école, il va apprendre le français, toute langue à l'école. Et alors, c'est comme ça que l'enfant grandit en causant le patois à la maison, et à l'âge de 5-6 ans, il va à la CIL et là-bas, on commence à l'apprendre le français. Je parlais régulièrement le patois avec les enfants, vous comprenez? Là, ils sont obligés de parler aussi le patois. J'essaie de parler beaucoup plus la langue maternelle à mes enfants. Je les dis, au lieu de dire, va me chercher de l'eau, je dis, Gankou Senonton à nous, Gankou Senonton Chironda. À la maison, quand on va envoyer l'enfant, on s'abstient de parler le français à l'enfant. Une autre technique, tout aussi efficace, au parler, associer l'initiation des enfants aux us et pratiques du village en les y conduisant fréquemment, particulièrement en période de vacances. Tous les grandes vacances, je les envoie au village. Ils passent le temps avec la grand-mère. Pour les scientifiques, de la naissance à l'âge de 3 ans en moyenne, le bébé apprend sans effort une ou plusieurs langues maternelles. Et l'acquisition du langage oral commence in utero et s'achève vers l'âge de 5 ans. Le Cameroun est un véritable melting pot linguistique. Il compte environ 300 langues réparties en 4 grands groupes, à savoir afro-asiatique, nigéro-congolais, nilo-sahérien et les langues bantoues. Dans cette complexité, les principales langues véhiculaires sont le fufuldé ou le peul, utilisés dans tout le Grand Nord, sauf dans le Logone-Chari, où domine l'arabe. Le béti et le bassa sont utilisés dans le centre, le sud, de même que le boulou et l'ewondo. À l'ouest, on compte les langues bamoun et bamileke. Ces dernières sont composées de plusieurs sous-ensembles comme le féfé, à Bafang, le Yemba à Tchang, le Mendumba à Baganté, le Homala qui englobe Baham, Banjoun, Batié, Bansoa et Badenkop. L'on peut donc retenir que 21% de la population camerounaise parle le Fufuldé et en deuxième position, on a l'Ewondo, parlé par 13% de la population.
Ce 21 février se célèbre la Journée internationale de la langue maternelle. Celle-ci promeut la diversité linguistique et culturelle, ainsi que le multilinguisme. Selon l'UNESCO, les langues constituent les instruments les plus puissants pour préserver et développer notre patrimoine matériel et immatériel. Le thème retenu cette année est « Les langues autochtones, ça compte pour le développement, la construction de la paix et la réconciliation ». The Anglophone crisis that is ongoing in the English-speaking parts of the country has led the inhabitants of the Northwest region to untold suffering and major challenges as the crisis is governed by numerous ghost towns, deaths and the loss of property. I have lost a lot. I even lost my job because for the moment we were not able even to pay rent because of financial difficulties. So the economy was not turning. We had a lot of loss that reached a point that we were not able to pay our rent and we had to break for now, so we are really in a mess. It's actually affected me a lot because my business is not moving the way my business was moving before. Even my family is not more staying again with me because of the Anglophone crisis. Just the other day they come and burn my things, so I'm not even staying where that I was staying. Every day they shoot guns, so we are afraid to go back where that we were staying. So we are presently now because we see that town is a bit better than the village. So we are now managing our business now in town because we cannot go and get in business. And we cannot say again even the way that we used to say before. Since this crisis, it has been affecting us right in the way that even now that things are in this way, I cannot go to my village again due to the crisis because our roads are being blocked. Even in Bamenda here that we are in the street, we do business. We find it very difficult for us to even sell. We buy things very expensively and to sell, it is very difficult because there is no money. The customers come and cry for you to bring down the prices, but yet you don't know how you can actually help them. This week, the town has experienced 2 days of storms just shortly after the population was made to stay indoors for a number of days. This ordeal is crippling the economy, and one is tempted to ask the question, what are the authorities doing about the present situation? Camerco fait état d'un chiffre d'affaires de 26,6 milliards de francs CFA réalisé au cours de l'année 2018, bien loin de ce que réalisait l'ancienne compagnie Camer, qui a fait faillite en 2005 avec des dettes de plus de 50 milliards de francs CFA. 26,6 milliards, chiffre en hausse de plus de 10 milliards de francs CFA comparativement aux 16,4 milliards de francs CFA de l'année 2017. Plus de crédit, les gros créanciers que sont fonctionnaires et membres du gouvernement ont été écartés. Les billets à Camerco sont achetés cash dans l'état de Clermont. Je parle sous le contrôle du secrétaire général, il n'y a plus de crédit. Toutefois, en ce début d'année 2019, la flotte de 6 Ariane 9 de l'entreprise est diminuée de moitié du fait de l'immobilisation de 3 avions, dont 2 Boeing et 1 MA-60 chinois, situation qui a fait fléchir les performances de Camerco dès le mois de janvier de l'année en cours. En outre, les données de l'entreprise révèlent qu'à cause de l'immobilisation d'une partie de sa flotte, Camerco a engrangé des revenus de 1,4 milliard de francs CFA au mois de janvier, performance largement en dessous de la moyenne mensuelle de 2,4 milliards de francs CFA enregistré tout au long de l'année 2018, entre autres causes de nombreuses difficultés parmi lesquelles des avions qui ne partent presque jamais à l'heure. Qu'est-ce qui fait à ce que cet avion ne parte pas à l'heure? Lorsqu'on va analyser tous ces problèmes, le ministère aujourd'hui, la tutelle technique est en train de nous mettre dans la voie de l'investissement dans la formation. La dernière fois que le Cameroun a formé les pilotes, ça fait une trentaine d'années ou plus. Donc, ce n'est pas normal d'avoir des avions qui peuvent voler 16 heures par jour et n'avoir pas les pilotes pour pouvoir les opérer. Ça dépend. Et lorsqu'on prend les pilotes étrangers, évidemment, ils coûtent beaucoup plus cher. Donc, il y a un ensemble de problèmes. Maintenant que nous sommes dans la phase de relance, de pouvoir les adresser. Mais je dis encore que, s'il vous plaît, il y avait des préalables. Vous ne pouvez pas vous-même aller demander un crédit dans une banque si vous n'avez pas encore vos documents, les bulletins de paie et autres. La Camerco n'avait pas de comptabilité depuis 2014. Ancien directeur pour l'Afrique de l'Ouest, puis directeur régional pour l'Afrique australe chez la compagnie Emirates, Ernest Dikoum estime que la Camerco travaille chaque jour pour atteindre la perfection. The campaign is going on
in four regions for the first phase and concerns the regions of the South, the West, and the East, and certain districts, 13 districts of the Littoral region. That is the first phase. We'll have the second phase, which will come on in May 2019, which will cover the three northern regions of Adamawa North and Far North. And then finally, we will end with the Northwest, the Southwest, and the Center regions. So those are, that's how the campaign will be organized over the 2019 fiscal year. Okay, the innovation here for this campaign is that we are trying as much as possible to cover the urban areas which were not well covered during the last campaign. We are looking for strategies like we are enhancing the communication with radios, with community radios, but with also with caravans, communication caravans, to inform the population well ahead of the health, of the household census, that they should be available. And towards the end of the census, if there is any person who has not been counted, they should rapidly contact the health facility, the closest health facility, or the authority to inform the organizers that they haven't been counted, and they will deploy a team which will cover up the places which were not counted. Bafoussam, ce 15 février 2019, au quartier Famla, l'une des équipes de dénombrement des ménages fait face à deux cas de réticence. Je dis que si tu ne vois pas pour cette fois-ci, que tu me connais, viens me voir. Bah, ce qu'il avait pris avant, il a appelé. Me prends encore. Il aura donc fallu l'intervention du superviseur de l'aire de santé de Famla pour amener ses réticents à se faire enregistrer. Il dit que, enregistre-toi, tu prends ton coupon. Le jour qu'on va distribuer, tu pars à la banque fontaine, tu ne vois pas. Dans la région de l'Ouest, 3000 dénombreurs ont été formés pour les 20 districts de santé. 1 100 moustiquaires sont prévus pour être distribués. Une méthode barrière pour le paludisme qui est la cause actuelle de 24% de consultations selon le docteur Moupin Salifou, le délégué régional de la santé de l'Ouest. 24% des consultations dans les formations sanitaires sont dues au paludisme. 45% des hospitalisations sont liées au paludisme. Et il y a 12% des décès liés au paludisme. Et dans tout ça, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, sont les plus touchées. La priorité sera, annonce le docteur Moupin Salifou, donnée aux déplacés de la zone anglophone évaluée à près de 71 000. C'est pour cette raison que nous avons un nombre de moustiquaires, j'allais dire, supérieur à la cible, puisque c'est les Camerounais. Et on l'a dit, le Camerounais est chez lui partout où il se trouve dans le pays. Ce n'est pas parce qu'on est originaire de telle région qu'on n'est pas chez soi dans le pays. Cette phase de dénombrement ira jusqu'au 24 février prochain et seules les personnes enregistrées et détenteurs de tickets pourront en bénéficier. En cas d'absence lors du passage des équipes, le délégué régional MinSanté Ouest conseille de se rendre dans le centre de santé le plus proche pour se faire enregistrer. Le Centre international pour le patrimoine culturel et artistique présente le royaume Babongo. Le royaume de Babongo, c'est un royaume qui porte vraiment l'histoire de Babongo et l'histoire du Cameroun et l'histoire de l'Afrique. Mon père et mes arrière-grands-parents, ils faisaient dans la sculpture, ils sculptaient, ils faisaient dans l'agriculture, ils faisaient aussi dans la musique, ils faisaient aussi dans beaucoup de choses. Moi, je suis une artiste peintre. Mon père était un artiste peintre, mais il utilisait la poussière pour peindre, il utilisait les os des animaux, il utilisait les choses en clé pour monter les tableaux. À travers son exposition, le SIPCA a à cœur de montrer les richesses de l'art Babongo. L'idée, c'est de montrer la communauté Babongo, représentée par son roi, le faune 2x2x3, montrer cette communauté comme une communauté qui sait faire vivre son patrimoine. Elle sait le faire vivre à travers un musée, hein, le musée de Babongo Museum,
avec qui nous sommes en partenariat pour cette exposition, et qui recèle énormément d'objets, de très beaux objets, qui devraient être vus de tous. Des objets d'art qui flattent la curiosité de bon nombre de touristes locaux et étrangers. Ce sont les objets qui portent l'histoire de Babongo. Par exemple, il y a une statuette. Cette statuette, on appelle ça en patois Babongo, Nchosevsevira. Ça veut dire les gens qui partent en guerre, qui passent devant pour aller en guerre. Les guerriers, on les appelle les guerriers, et ils portent, tu vas voir cet objet s'épeler, et ça porte un bouclier. Ça montre vraiment l'image de nos grands-parents, comment ils ont combattu pour nous. Il y a aussi un masque de singe, et nous avons aussi un lit qui date plus de 100 ans. Il y a beaucoup d'objets. La zone des Babongo est à quelques kilomètres de Baminda dans la région du Nord-Ouest. Et en ce moment, il n'est pas facile d'accès du fait du contexte sécuritaire. Par conséquent, le SICA a voulu montrer, être comme un relais. Montrer ces œuvres-là et montrer aussi tout ce qui peut faire la richesse de tous les Camerounais et de tous les Africains. L'exposition qui présente le royaume Babongo se fera à Yaoundé au SICA. C'est depuis le mercredi 20 février 2019 que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona, est arrivé à Edea dans le département de la Sanaga-Maritime. Pendant 2 jours, le ministre du Travail a eu des rencontres dans les différentes sociétés du département avec les employés, leurs responsables et surtout leurs représentants. La Sapa Kamalu Kame Sokatral, ce sont là les différentes entreprises qui ont accueilli le ministre Grégoire Ouona. À la Sapa Kam, le ministre a qualifié les moments d'échange de très constructif. Au-delà de tout, il a été question de poser les jalons d'une collaboration franche et droite avec l'État. Si tu veux, en ce qui concerne l'UQAM, les choses vont évoluer, le gouvernement est très engagé. En ce qui concerne l'UQAM, les travailleurs se sont librement exprimés. Nous avons trouvé des solutions aux problèmes qui se posent et nous avançons dans le dialogue. Le même message a été transmis aux employés et responsables de l'UQAM le jeudi 21 février 2019. Réunis dans la salle de conférence des employés de l'usine, les uns et les autres ont reconnu que les solutions efficaces seront trouvées pour la relance de l'entreprise qui connaît en ce moment une crise de fonctionnement. Grégoire Ouona a achevé sa visite dans la ville d'Edea à l'UQAM. Douala, capitale de la toute première flamme de la cérémonie de récompense des artistes contemporains de la zone CESI. Du 28 février au 2 mars, ils feront resplendir de 1000 feux la ville, des artistes de 7 le Congo, la Guinée équatoriale, la RDC, le Rwanda, la Centrafrique, Sao Tomé-Principe et le Cameroun, qui se donnent rendez-vous sous la bannière « Afrique et avenir ». Le thème de cet événement, c'est « Afrique et avenir ». Pour moi, c'était très capital de se dire aujourd'hui que les voyants sont quasiment verts pour dire que l'Afrique, c'est le monde de demain. Mais si encore nous ne faisons pas d'efforts, ne faisons pas ce qui est censé pour que cela soit possible, je pense que le train risque encore de nous échapper. L'initiative portée par l'association Au Pinceau d'Afrique se veut être une exposition internationale, ponctuée de vernissages, visites d'ateliers et talks avec les artistes. Une initiative qui ambitionne de valoriser et décerner des récompenses aux créateurs des œuvres de l'esprit. Critère premier de sélection de ces jeunes de moins de 35 ans, l'innovation et l'originalité. La candidature, c'était Afrique et avenir. Il fallait montrer l'Afrique dans sa splendeur. Il fallait montrer pour chacun l'Afrique de demain. Il fallait pouvoir monter un projet de production de 3 œuvres qui en rapport avec le thème Afrique et avenir. Placé sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture du Cameroun, le programme prévoit dès le mercredi 26 février l'arrivée des artistes retenus et la clôture se fera le 2 mars au travers d'une soirée de gala au cours de laquelle des récompenses seront décernées aux méritants. Après Yaoundé et Bafoussam, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a effectué une visite de travail dans la ville de Douala ce jeudi 21 février.
Occasion pour le professeur Narcisse Mouelekombi de parcourir les différentes infrastructures sportives retenues dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021. Vous savez, nous allons accueillir en 2021 la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN Total comme on l'appelle. Et en rapport avec cet important événement, ce très grand événement sportif international, la volonté du chef de l'État, c'est de doter notre pays d'infrastructures modernes, d'infrastructures sportives futuristes. Et au-delà de ces infrastructures futuristes et modernes, au-delà de la CAN, il s'agit de mettre en œuvre une politique d'infrastructure qui aille au-delà du football. Nous avons en mémoire les très hautes instructions concernant la forte mobilisation qui doit demeurer sur les sites de manière à ce que les délais contractuels soient respectés. Premier arrêt de la tournée du ministre des Sports, le stade Omnisport de Japoma ici à Douala. La pose du gazon sur le gros œuf est terminée depuis quelque temps déjà. D'autres travaux de finition sont en cours, y compris la poursuite de la pose des sièges. L'avancement des travaux est jugé satisfaisant par le tronc des sports, même s'il reconnaît au passage l'existence de certaines difficultés sur le site. Après avoir visité ce stade, nous avons la satisfaction de savoir que, s'agissant de Yenigun, ces délais seront respectés. Et nous avons également la satisfaction de constater que nous sommes sur un site qui va au-delà des exigences de la CAF et même de la FIFA, bien au-delà des exigences. C'est-à-dire que, par exemple, en matière d'éclairage, nous découvrons un système quasi révolutionnaire d'éclairage. C'est-à-dire qu'en matière, par exemple, de certains équipements, on passe de 1 à 5. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que nous serons, une fois que toutes les infrastructures seront livrées, parmi lesquelles celle de Japoma, le Cameroun, et les Camerounais doivent en être fiers, ils doivent en être conscients, le Cameroun sera en surcapacité quantitative et qualitative par rapport aux exigences de la CAF. Bien sûr, il y a quelques petites difficultés, il y a quelques problèmes qui sont liés à des procédures, qui sont liés à quelques dysfonctionnements, mais des solutions appropriées seront apportées à ces problèmes, car le gouvernement s'est engagé à tenir tous ses engagements pour que les délais convenus puissent être respectés. Après Japoma, le ministre des Sports s'est rendu également ici au stade de la réunification de Bepanda, actuellement en rénovation. Puis ont respectivement suivi des descentes sur les chantiers des stades d'entraînement de Bonamoussadi et de Mbappé-Lépé. C'est